Ils ont 105, 107, 109 ans. Ils sont les derniers Français à pouvoir dire « Je l'ai faite ». La Grande Guerre, celle qu'ils appelaient la « Der des Ders ». Ils sont l'ultime carré des poilus de 14-18. Avec eux, comme une petite flamme qui vacille, la mémoire des témoins directs est en train de s'éteindre inexorablement. Miraculé d'un conflit qui a fait 8 millions de morts, dont 2 millions de Français, ces hommes ont survécu au gaz, à la mitraille, aux obus, au froid, et même à la grippe espagnole. Ils égrènent des noms qui restent des générations plus tard synonymes d'horreur et d'héroïsme. La Marne, l'Argonne, Douaumont, Vauquois, la Somme, et surtout, Verdun. La parole de ces hommes qui ont vécu sur 3 siècles est précieuse. Elle marque la fin d'un monde. Claude-Marie Boucaud, c'est le doyen de nos poilus. Il a 109 ans et vit chez lui dans un village de l'Ain entouré de ses voisins et amis. Ce fils de forgeron qui fera plus tard une carrière de mécanicien roulant à la SNCF a vécu la guerre de bout en bout. Ma maman, elle avait 3 fils. Eh bien, les 3 fils étaient à la guerre. Le dernier qui est parti, c'est moi, en 1914, au mois de décembre. Et puis mes 2 frères, mon frère aîné, a été tué d'une balle à la tête à Notre-Dame de Lorette en 1915, au mois de mai. Et votre autre frère? Et puis j'avais mon deuxième frère qui était dans les dragons. Lui, alors, il a fait toute la guerre, et puis il est rentré. Moi, j'étais armurier mitrailleur. Je changeais les canons, je réparais les Saint-Étienne, les Oskitch à ce moment-là. Les mitrailleuses allemandes, d'un côté, étaient beaucoup plus perfectionnées que nous. J'ai eu l'occasion d'en trouver une sur les champs de bataille, puis j'ai contemplé la différence, elles étaient plus faciles à ravitailler. Les mitrailleuses allemandes faisaient beaucoup plus de dégâts. Évidemment. Vous avez subi beaucoup de bombardements. C'est assez délicat de finir ça. Puis vous savez, il y a bien des choses qui ont quand même disparu de ma mémoire. Que je préférais pas voir, pas entendre. C'est vrai. Vous avez vu des choses horribles? Forcément. On n'en tenait pas compte, on était habitué dans ces choses-là. Un copain qui était blessé, fallait soigner, fallait faire son possible. Est-ce que vous aviez peur? J'ai jamais eu peur. On avait autre chose, on avait d'autres soucis. De faire plaisir, d'arranger, d'accomplir la tâche qui nous était commandée. On n'avait pas le temps à penser à nous, c'était plutôt penser à ce qu'il fallait faire. Après des attaques, j'ai eu porté la soupe des fois. Eh bien, c'était assez difficile parce que c'est toutes les montagnes. Il fallait se mettre sur les fesses pour marcher avec les bidons pour pas les vider. Alors on se laissait glisser des fois sur, comme ça, et puis on avait les bidons comme ça. Pour pas les vider, bien entendu, la soupe des copains. Il y avait une grande fraternité entre les soldats. Une question tout à fait qui m'a sauvé la vie parce que on était non seulement des frères, mais plus que des frères. Pas tous, bien sûr.
Mais j'ai eu un copain, moi, qui s'appelait Albert Maillet. On ne se quittait jamais. Il est mort ou il est Bon, revenu de la guerre? il est resté le 16 avril 1917. Il était blessé. Aussi, il est pas revenu. Il est parvenu. Tandis que moi, j'ai été blessé deux fois, et puis je suis. Où est-ce que vous avez été blessé la première fois? J'ai été blessé à Curlu, au chapeau du gendarme, dans la Somme. Parce que dans la Somme, il faut bien dire que c'est un pays marécageux. Les obus arrivaient, et bien souvent, ils n'éclataient pas parce qu'il n'y a pas de résistance. Alors, ils employaient ces obus de scrapnel qui éclataient à 1,50 m hauteur d'homme. C'est donc là que j'ai été blessé, au bras droit. Les Allemands dans les tranchées, ils étaient loin de vous? Oh, il y avait à peu près, ça dépend des secteurs, il y avait pas 15 mètres, 10 mètres, ça dépend. Au chemin des Dames, il y avait un ravin. Alors c'est donc là que j'ai été blessé pour la deuxième fois. Une balle qui m'a traversé la cheville. Et après, je me suis guimbardé comme j'ai pu avec mon barda, le sac, le capot, tout ce qui s'ensuit, marcher à quatre pattes. Et puis, je me reposais dans les trous d'obus. Puis, je suis donc arrivé au poste de secours vers le docteur Adam. C'est lui qui m'a fait évacuer par les Allemands, prisonniers. Il leur a dit, vous le reporterez à 5 km, puisque À l'arrière, c'est ça. qu'est-ce que vous pensiez des Allemands à ce moment-là quand ils vous portaient sur leur dos? Ce malheureux, mais c'était des frères comme moi qui se battaient, qui étaient commandés. Je ne peux pas dire que j'en veux aux Allemands. J'en veux peut-être à ceux qui commandaient. Le 11 novembre, vous étiez où? J'étais en Belgique. On allait franchir l'Escaut le lendemain. Le clairon a sonné. Mais on n'était pas tellement enthousiasmés parce que on disait, est-ce que c'est bien vrai? On avait plutôt l'idée de dire, est-ce que c'est bien vrai? Mais c'était bien vrai. Partis la fleur au fusil, les poilus demandaient dans leurs lettres qu'on les attende pour rentrer la paille ou vendanger, persuadés qu'ils étaient de revenir victorieux avant les frimas. Albert Thibault a 107 ans. Mobilisé en 1916 dans l'infanterie, il a juste 19 ans lorsqu'il monte au front. Sergent dans les transmissions, il participe à la désastreuse offensive Nivelles au chemin des Dames, où 210 000 soldats perdent la vie. Blessé gravement le 3 septembre 1917, il survit miraculeusement. Notre cantonnement était entre le canal de l'Aisne et l'Aisne. Il y avait une source. Alors il s'est trouvé que c'était si calme, sur cette partie de fond, que les Allemands venaient puiser de l'eau à cette source, et nous aussi. Et quand on se voyait, ben on s'arrêtait, forcément. Mais on pouvait aller, ensuite, ils prenaient l'eau, ils partaient, nous ne pouvions aller, et nous prenions aussi. Personne n'a jamais tiré. Non, jamais tiré, c'était calme. Qu'est-ce que vous pensiez des Allemands qui étaient en face? Vous aviez la haine des Allemands? Non, non, non. On était, pour ainsi dire, indifférents, la haine. Évidemment qu'on ne les aimait pas, mais pour dire la haine, non, non,
on était inconscient peut-être, on serait pas, nous ne nous rendions pas compte du danger. Alors quelle était l'ambiance entre les soldats dans les tranchées? Eh bien j'étais avec des vieux, enfin des vieux. Quand je dis des vieux, c'était des hommes d'une trentaine d'années. Mais comme ils laissaient pousser la barbe, pour moi c'était des vieux. Et il y avait une fraternité? Ah oui, j'étais l'enfant chéri de ma compagnie, puisque j'étais un des rares, pour ainsi dire presque, à un moment donné j'étais le seul, jeune. J'avais procédé à l'établissement de parallèles avancés. Nous avions une pelle simplement, et nous avions prévu de faire des petits... Des boyaux pour passer boyaux de l'un à l'autre. Pour passer, mais de 30 ou 40 cm de profondeur, c'est tout. Et là, par les avancées, c'était assez délicat, parce qu'il fallait avancer jusqu'au fil de fer allemand. Alors évidemment, ça faisait du bruit la nuit. Alors quand ils entendaient du bruit, ils faisaient marcher les mitrailleuses, et alors à ce moment-là, nous aplatissions autant que nous pouvions, dans les trous que nous faisions. Et là, et malheureusement, il y avait dans ma compagnie, il y en a eu quelques-uns, oh, ils n'étaient pas nombreux, il y en a eu 5 ou 6 qui se sont fait tuer. Mais qui se sont fait tuer par peur. Parce que quand ils ont entendu les mitrailleuses allemandes, ils ont eu peur. Alors au lieu de se rester tapis comme ils auraient dû le faire, ils se sont levés pour fuir. Et alors j'ai participé par conséquent à ces parallèles avancés pendant 3 jours ou 4 jours avant l'attaque, la fameuse attaque de Nivelles, du chemin des Dames à Reims. Alors là, l'attaque a commencé. Alors à nous, nous avons, dans notre secteur, nous avons avancé comme si nous allions à la promenade. Il n'y avait personne en face. Il n'y avait personne. Nous étions protégés par l'artillerie française qui au fur et à mesure tirait de plus en plus loin, nous suivait et nous avancions, pour ainsi dire, l'arme à la main, sans avoir de résistance. Et nous sommes arrivés tout près de Caron. Mais là, les Allemands ont attaqué l'artillerie française. Continuait, elle, à suivre le mouvement. Mais manque de liaison, et elle a continué toujours. Tout était bouleversé, les tranchées, tout ça. Tout était bouleversé, forcément. Alors nous étions sous le feu et des obus français et des obus allemands en même temps. Alors là, ça a été la catastrophe. Notre compagnie, qui était à peu près de 100 hommes, nous sommes retrouvés, quand tout a été arrêté, à une quarantaine. Nous n'étions plus qu'une quarantaine. Et la contre-attaque, vous avez reculé de beaucoup? Nous sommes revenus au point de départ. C'était inutile, quoi. Inutile. Et les mutineries ont commencé parce que les officiers, tout ça, on ne les écoutait plus. Les officiers en tête ne bougeaient plus, ne commandaient plus rien. C'était la pagaille. Et alors, nous avons été remplacés par surtout des titis parisiens. C'était, pour ainsi dire, des révolutionnaires. Ah, alors, d'accord. Oui, ils chantaient des... L'international, ce n'était rien. L'international était chez des chansons... Révolutionnaires. Alors, c'était la pagaille, quoi. Et ça durait plusieurs jours. Chez nous, nous avons eu 4 ou 5 fusillés. Il y a eu 4 ou 5 fusillés, oui, chez vous. Chez vous. Dans notre division. Pour les mutineries de 17. Pour les mutineries de 17. Et vous, qu'est-ce que vous en pensiez de tout ça? On était inconscients. On subissait les événements, mais je veux dire qu'on n'analysait pas. Alors là, on a reformé notre régiment. Et par camion, on nous a amenés tout près de Verdun. Les camions ont été repérés. Alors nous avons fait les 20 derniers kilomètres à pied. À pied. Et quand vous êtes arrivé dans Verdun? Dans Verdun, oui. Ça a été le soir même quand nous sommes arrivés à Verdun. C'était comment Verdun? Oh, c'était complètement bombardé. Et nous avons dormi là où nous avons pu, dans les ruines de Verdun. Et là, en remontant toujours vers l'attaque, nous sommes arrivés au Bois des Corps. C'était en pleine bataille là, au Douaumont. Et c'est là où j'ai été blessé.
Et ça, c'était en septembre 17. En septembre 17. Nous, on était bombardés. Alors, ça tombait dur. Mais il y avait des moments d'accalmie. J'étais sergent. Alors, j'allais voir ceux qui étaient dans les trous. De l'un à l'autre, comme ça. À mon tour, j'étais fatigué. Je me suis mis aussi dans un trou. Et je me suis endormi. Malgré le bombardement, pour vous dire si on était fatigué. Et puis tout d'un coup, un obus est tombé à côté de moi. Bon, il y a eu le bruit. Je me suis réveillé, forcément. Et alors, j'étais à moitié enterré. Et j'ai vu un soulier, un pied, la moitié d'un pied plutôt, qui ressortait de terre. Alors, ça y est, j'ai été blessé à la jambe. J'ai essayé de sortir de là. Je me suis dégagé, j'ai essayé de me sortir de là. Mais la main, j'ai trouvé la main remplie de sang. Je me suis aperçu qu'alors j'étais blessé plus haut. C'était pas simplement le pied qui avait pris. J'avais été blessé plus haut. Alors, j'ai eu la présence d'esprit, j'ai pris une courroie, je me suis mis moi-même une courroie. Ah, vous êtes fait un garrot. Un garrot, je me suis fait, ça m'a sauvé. Dès que le bombardement a cessé, c'est toujours l'éternelle histoire, les survivants n'ont eu qu'une hâte, reculer le plus possible. Alors ils m'ont pris sur un semblant de mon corps et ils m'ont ramené à l'arrière. Le poste de secours était déjà bourré de blessés. Je n'ai pas pu rentrer, c'était rempli de blessés. L'escalier qui descendait était rempli déjà de blessés. On m'a laissé à l'entrée. Et ça a été ma veine. Les ambulances sont venues prendre les blessés. Alors, dernier arrivé, j'ai été le premier enlevé. Et on m'a transporté alors dans des postes de secours, plus à l'arrière. Et voilà, on m'a amputé. On vous a amputé dans un hôpital de campagne? Oui. Tout de suite? Oui, pour essayer de suite. Oui. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre? Inutile, absolument inutile. Inutile? Oh oui. Lorsque le canon cessa de tonner, on comptait 60 000 amputés, 700 000 orphelins, autant de veuves et d'invalides. Il n'était pas de famille épargnée par l'horrible cataclysme. Charles Binet a 108 ans. Jeune Lyonnais de 17 ans, il s'engage en août 1914 dans la cavalerie. Il fait toute la guerre, est blessé deux fois et termine maréchal des logis. Comme il est difficile de fumer la cigarette à cheval, il se met à la pipe, que 90 ans plus tard, il continue de fumer quotidiennement. À Lyon, les engagements pour la durée de la guerre se passaient, si vous connaissez Lyon, place Bellecour. On n'était pas 10, 20 ou 30, on était près de 10 000. Ce qui vous dit que l'esprit des gens comme moi, qui était comme moi, n'était pas du tout le même de celui qu'on trouverait aujourd'hui, par exemple. Là, on a trouvé des gens qui trouvaient tout naturel de partir à la guerre et partir le plus vite possible. Vous pensiez que la guerre, elle allait durer longtemps? Ouh, mon vieux, on ne pensait pas tant de choses que ça. On a pensé que les types qui étaient comme moi, ils avaient envie de voir. Ce n'est pas une question de patriotisme, c'était une question de curiosité plutôt. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la guerre? Ben, on a su. Pour commencer, je suis arrivé un soir avec un type qui, comme profession dans le civil, était metteur en scène de cinéma. Et on nous a collés tous les deux dans un coin. Et on nous a dit, là, profondeur 2 mètres, distance, temps, pour le réseau de tranchées. Alors on n'a pas eu à choisir. Vous avez creusé. On a creusé notre truc. C'est comme ça qu'on a débuté. On n'avait aucune initiative. On avait des ordres. Il y a les pontes derrière. Et les pontes derrière estiment la situation
en disant « Ce prêt qu'il a devant vous, là, il nous gêne parce qu'il prendra en travers des unités de chez nous. » L'unité dans laquelle je servais, qui était le 5e chasseur, a dit « Il faut prendre ce prêt. » Ce qu'on a fait. Mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Oh, mais c'est à dire, c'est très simple. À faire, c'est une autre histoire. Il y avait des risques. Non, écoutez, réellement, j'ai pensé que dans le corps d'un homme, on pouvait recevoir une balle dans l'épaule, dans la poitrine, dans les jambes, où vous voudrez, mais pour mourir, non. Vous n'avez jamais cru? Non. Personnellement, pour moi, non. Vous n'avez jamais eu peur? Oh, ça c'est une autre question. Si. Si j'ai eu peur. Quand vous êtes dans un bout de tranchée qui a été creusé il y a quelque temps, et puis que l'ennemi vous tire dessus presque à bout portant. Est-ce que vous avez vu des Allemands de près? Si j'ai vu des Allemands de près, oui. Eh bien, je vais vous dire qu'un jour, c'était la nuit, ça. Il y avait un Allemand qui était loin, comme votre copain derrière, de moi qui était là. Savez-vous ce qu'on a fait, l'un et l'autre? On s'est tiré dessus, on s'est manqué, et lui est parti de son côté, et moi du mien. C'était terrible, la vie dans les tranchées, quand même. Dans la mienne, de tranchée, il y avait le bras d'un copain qui était enterré là. Il sortait de ça, de la tranchée, du mur de la tranchée. Et en passant, tout a été figé. « Salut, vieux. Tu dors, toi, maintenant. Ah. » Moi, j'appelais ça le beau temps. C'est vrai? Mais c'est pas une raison pour que je trouve ça beau. Et le moral des troupes, c'était important? Ça a été important jusqu'au moment où il y a eu quelques incidents. Il y a eu des incidents, des types qui refusaient de monter en ligne, d'autres qui refusaient de remplacer tel type qui était plus exposé que prévu. Et à ce moment-là, il a fallu prendre des mesures. Et dans mon unité, on en a fusillé deux par les troupes françaises. Et les autorités, quelles qu'elles soient, ont trouvé que c'était normal. Et nous aussi, finalement. Et vous aussi? Oui. Il a dit qu'il n'y a qu'à faire comme tout le monde. Qu'est-ce que vous pensiez des Allemands? En guerre? Oui. Meilleurs soldats du monde. Voilà ce que je pense. Je le pense encore. Vous n'aviez pas la haine des Allemands? Jamais? Du tout. On trouvait qu'il y avait parmi les Allemands des types qui étaient vraiment des braves et des types chez nous vraiment des braves. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait en dire. Mais pour dire qu'on avait la haine des Allemands, pas du tout. Et comment vous avez été blessé, vous? Eh bien, j'ai été blessé la première fois. Ça se passait très peu de temps après que je suis rentré à la guerre. J'ai reçu un éclat d'obus qui m'est rentré dans la jambe. Je l'ai, du reste. J'ai gardé en souvenir des Fritz. Pour nettoyer la plaie qui était importante. Il fallait sortir des bouts de chiffon, des bouts de trucs avec les pinces, vous savez. Alors il me dit, il y avait le type avec la fiole de chloroforme qu'il suivait. Et je lui ai dit, toi tu peux rester là parce que je te veux pas. Alors le type qui était là, le médecin, m'a dit, mais tu sais, tu vas gueuler. Hein, tiens. Je lui ai dit, écoute, gueuler peut-être, c'est pas sûr d'abord. Et puis deuxièmement, si je gueule, ben vous me supporterez pendant mon temps de gueulage, mais pour me flanquer du chloroforme, n'y comptez pas. Et le toubib s'appelait Kameskaz, je me souviens bien de son nom. Et pourquoi vous ne vouliez pas être endormi? Ouh, parce qu'une fois que vous êtes endormi, vous n'êtes plus maître de vous. Vous n'êtes plus maître de vous quand vous êtes endormi. Ils auraient pu vous couper la jambe? Ben, pardon, pourquoi pas? Surtout que le Kameskaz avait la réputation de couper les jambes très facilement. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre, vous, maintenant? Que je pense de la guerre? Oui. Pour... Je n'ai pas trouvé ça le temps désagréable, le temps de la guerre. Vous n'avez pas trouvé ça désagréable? Non, parce que j'y suis allé, parce que je voulais.
Je voulais voir ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était la guerre. N'oubliez pas que j'avais 18 ans. Ils étaient jeunes, les poilus, entre 17 et 25 ans. Si toutes les classes sociales se retrouvaient dans l'artillerie et la cavalerie, les fantassins, la piétaille, la chair à canon venaient de la France rurale et des colonies. Ferdinand Gilson a 106 ans. Mobilisé en avril 1917, il est versé dans l'artillerie autoportée car il est mauvais cavalier et piètre fantassin pour cause de pieds plats. Il a connu pourtant les tranchées, où il a été gazé. Aujourd'hui, pour entretenir sa mémoire, il fait des mots croisés en allemand. Vous êtes monté au front à quelle période ? En avril 18. En avril 18. Je suis arrivé là. On a débarqué à Poperinck, en Belgique. Et tout de suite, on a eu deux tués en arrivant. Tout de suite. On a eu deux tués. Et moi, j'avais Louis, un adorant extraordinaire. J'avais entendu dire la marmite qui a tué mon lieutenant. Et... Vous l'aviez entendu ? Oui, j'ai entendu. Parce que c'était pas en combat, quoi. Ils étaient en train de prendre un café. Un seul arbre qu'il y avait dans cette putain de plaine, l'obus est tombé sur son arbre. Et lui, il a été tué. Moi, j'avais entendu dire la marmite, je m'étais couché. Jamais un officier ne m'a approché de me coucher. J'avais une ouïe extraordinaire, extraordinaire. À moi, d'un combat intensif, j'entends une départ du coup. Je suis la trajectoire. Et eux, ils se couchaient, les officiers ? Jamais. Tu es debout. Jamais, jamais j'ai vu un officier se coucher. L'exemple. Vous pensiez à votre peau ? Hein ? Quand on a pu tomber, ça faisait un entonnoir. Oui. Alors, et avant qu'ils se remplissent d'eau. Qu'ils se remplissent d'eau, oui. Non, mais je faisais un trou et je mettais la tête dedans. Pour vous protéger. Oui, c'est ça. Je voulais bien prendre des carreaux de fesses, je voulais pas prendre en pleine pêche. Vous ne vouliez pas prendre en pleine pêche. Je m'aimais trop. Vous aimiez trop. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes sorti de là. Parce que vous vous aimiez, non? J'avais raison. Personne ne peut manger jamais autant que je m'aime. Personne ne vous aimera autant que vous vous aimez. J'étais un numéro spécial. Vous pensiez à vous ? Ah non, pas qu'un peu. Hein. Moi, j'avais 19 ans et demi. Hein. 19 ans et demi, oui, bien sûr. Et l'ambiance, c'était comment l'ambiance ? Magnifique. Une fraternité que j'ai jamais revue depuis. Les poilus entre eux, magnifique. Fraternité totale. Mais j'ai jamais entendu un poilu m'appeler brigadier. Ils vont appeler Cabot. Cabot. Oui, Cabot. Un brigadier, c'est une légume, ça mange à moi, ça chie, ça fume. Ça ne s'est même pas signé son nom, c'est bête comme un cochon. Ça, de l'époque. C'est de l'époque. Comment vous viviez dans les tranchées ? Qu'est-ce que vous mangiez ? Quand c'est 4 jours sans bouffer. Quand on essaie de manger un peu dans la viande, on se passe en nez. Parce qu'au mois de juillet... C'était pourri. Alors, ce coup, on fait tomber les bœufs, ils sont dedans, les asticots. Les asticots tombaient. Et puis, on essaie de boire dedans. Alors, par contre, on avait à boire. On envoyait des poilus avec des bidons chercher du pinard. Dans les boyaux, casse-toi la gueule par terre, mais ne va pas en jasser le pinard. Hein? Alors, ça, c'était sacré, là. Moi, je me contentais de mes 2 litres. Mais attention, c'était pour 24 heures. C'était pour 24 heures. Interdiction de délancer ses godillots. Interdiction de délancer ses godillots. Oh. Se déshabiller, peine de mort. Se déshabiller ? Peine de mort. Peine de mort. Bon, vous mangiez quoi aussi ? Du singe ? Délicieux. Alors, des sardines aussi. À la cantine, on achetait ça à la cantine. C'était quoi le singe ? Du bœuf. Très 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 bon. La bonne viande. Et l'ours, c'était du cochon. Alors, la plaisanterie classique, c'était quand on vous jetait une boîte de sardines, on partage aux frères. Je mange les sardines, tu mangeras la boîte. Ça c'était des enrilles de... Et il y avait des animaux aussi. J'ai jamais vu de chat.
un chien qui serait risqué dans les tranchées, en deux coups de cuillère à peau, il bénéficiait d'un coup de sabre, et il s'appelait Lapin. Et il s'appelait ? Lapin. Lapin. Et il y avait des habitants dans les vêtements, il y avait des puces ? Les poux, bouffés, à zéro. Vous avez été blessé, vous ? Au jour, j'ai encore la cicatrice. Une marmite tombait, j'ai vu arriver la marmite, et puis j'ai senti la rotule qui était à jour. La rotule à jour ? Ouais. C'est là que j'étais au petit poste. On m'a accouché sans m'endormir. Sans vous endormir ? Moi, je n'ai pas l'oublié. Et vous avez été évacué ? Non. Je ne peux pas t'évacuer, on a trop de pertes. Ils vous ont pas évacué parce qu'il y avait trop de pertes ? Oui. On a perdu la moitié de notre effectif. Trop de pertes, trop de blessés, trop de... 1000 tués par jour, 2000 blessés. 1000 tués par jour, 2000 blessés sur le front. Alors, un poilu, la tête au-dessus de moi, comme ça, les épaules comme ça. Plus grand que vous, oui. Alors, il était appuyé sur son buffeteau, il est gras, j'ai froid. Au mois de juillet 1918, j'ai froid. Nous, on était charitables, on pense... Ils ont été bougoirs. Hein. Il veut s'en aller, oui. Alors on appelle le major le regarde. À l'hôpital tout de suite. Trois semaines après, il était mort. Mais qu'est-ce qu'il avait ? La grippe espagnole. La grippe espagnole ? 20 millions de morts. Plus que toutes les guerres réunies. Vous avez eu du mal à vous en remettre après de la guerre ? 15 ans. Vous avez mis 15 ans pour vous en remettre ? Oui. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Non. Je m'explique pas. J'ai mis 15 ans pour devenir civilisé. Vous avez mis 15 ans pour devenir civilisé. Pour être civilisé. Il n'y a qu'à demander à ma femme. Oui. J'étais une belle brute. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez des Allemands ? Je peux vous le dire en allemand ? Oui. Ich liebe Deutschland und die Deutschen. Besonders die Frauen. Hein ? Quand M. le Président de la République a dit, c'est le peuple frère. J'ai dit, moi, je préfère leur sœur. Et alors, cette guerre, qu'est-ce que vous... En toute chose, il faut considérer la fin. C'est l'union franco-allemande. Jamais j'aurais pu rêver ça. Jamais ? Jamais. Je trouve ça magnifique. Les moyens de transport rapides, la fraternité franco-allemande. Je trouve ça magnifique. Jamais j'aurais pu rêver ça. Comme si j'étais un rêve. Les fantassins vont payer le plus lourd tribut. La terre vorace du front a englouti le quart d'entre eux. Les autres auront vécu l'insupportable. Le froid, la neige, l'eau, la boue, l'infâme saleté et les maladies. André Debris a lui aussi 106 ans. Il n'a pas vécu la même guerre que les autres. Officier d'artillerie, il a pourtant participé aux dernières grandes offensives en Picardie. Ancien directeur de collège, il vit avec son épouse, âgée de 100 ans. Cette vie d'artilleur, est-ce que c'était difficile ? Oh non, on était mieux que quand même dans les tranchées. On avait, surtout nous comme aspirants, on avait... une espèce d'abri bien agencé, avec un lit, on n'était pas si mal que ça. On n'avait pas toutes ces difficultés des tranchées. On était quand même mieux que si on était un simple soldat. Pendant cette période, est-ce que vous avez vu les Allemands ? Non, je n'ai jamais vu. J'en ai jamais vu pendant la guerre. J'étais toujours en arrière de deux ou trois kilomètres. On n'était pas très loin en arrière, mais on n'était jamais quand même très près. Comment ça se passait entre les soldats et avec la hiérarchie, avec les officiers ? Vous savez, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. On n'était pas très familier avec les soldats. On ne combattait pas souvent, alors on n'était pas toujours près d'eux. Comment ça se passait entre officiers ? Eh bien, entre officiers, c'était pas rigolo parce que nous étions trois. Il y avait le lieutenant
un sous-lieutenant et moi. Vous n'avez jamais eu de visite de généraux, de choses comme ça? Ah non, jamais. On a vu une personne qui est venue nous voir. Il y avait le toubib qui venait une fois de temps en temps jouer au bridge avec nous. À part ça, on n'avait jamais vu quelqu'un de supérieur, quelqu'un de ni colonel, ni général. Non, on était comme ça, puis on était comme ça. On était petit, un petit groupe, qu'est-ce que c'est? C'est pas comme si c'était une division ou on faisait partie d'une division, mais enfin, on était quand même à part. Je n'avais pas peur, je ne savais pas si allait m'arriver, mais je ne cherchais même pas à le savoir. On m'avait dit d'être là, mais j'étais là. Quels étaient vos sentiments par rapport aux Allemands? Ah, mais comme par rapport aux Allemands, je n'avais pas de haine contre les Allemands. On disait les Boches, je disais, moi, ils sont comme nous, mais je ne croyais pas qu'ils étaient plus méchants parce qu'on les appelait les Boches. Je pensais qu'ils étaient là parce qu'on les y envoyait comme moi. L'artillerie lourde, c'est en 14 qu'elle est devenue la reine des batailles, faisant entrer pour toujours la guerre dans l'ère de l'effroyable, de la mort industrielle et chimique. Albert Piton, 106 ans, s'est engagé à 19 ans en 1917. Versé lui aussi dans l'artillerie, il est très rapidement fait prisonnier. À sa libération en 1918, il restera dans l'armée et terminera sa carrière comme sous-lieutenant artilleur. Et le front, c'était comment? Oh ben, c'était la dernière offensive que les Allemands ont fait. Ils ont pénétré en France après, non. Le Château-Thierry par là. Ils n'ont plus pénétré après. Et alors, c'était dur? C'était très dur pour nous. Qu'est-ce que vous voyez? On savait qu'ils allaient attaquer les Allemands. On était dans un bois, avec tous nos chevaux et tout. Et toute la nuit, on a été bombardé à l'épirine. À l'épirite? Oui, le gaz. Vous avez été gazé, vous? Ah oui. Vous aviez un masque? Oui, et puis les chevaux aussi. Et les chevaux aussi, ils avaient un masque? Seulement les chevaux, la bêtise des chevaux, ils ne peuvent pas marcher avec. L'attaque, comment ça s'est passé? Vous savez, l'attaque, nous, on est venu nous chercher, nos pieds d'artillerie étaient dans un champ de trèfle, tout en fleurs. Le trèfle était tout en fleurs, c'était le 9 juin. C'est là que l'artillerie est venue nous chercher, ça devait être 6 heures du matin. Et pour aller chercher nos pieds d'artillerie. Tellement voilà, on a été reçus par les mitrailleuses allemands. J'étais baissé à la cuisse avant d'arriver là. J'ai tombé de cheval, moi, avant d'arriver à aux pièces. Vous avez été blessé? Oui. Tout de suite? Oui, oui. J'ai la cuisse traversée par une balle. Oh, j'ai passé près, mais enfin, ça n'a pas passé heureusement. Vous avez eu peur à ce moment-là? Ben évidemment. Quand j'étais bombardé, peut-être blessé, là, j'étais en terrain vivant, là, ben là. Ben pareil, j'ai pas pu me rendre bien compte. Là. C'est quand les orbus tombent à côté de vous, là, on les voyait tomber, mais les 150, ça fait des crevasses comme là. Hein. Et moi, j'ai enterré comme ça, heureusement qu'il y avait un bras qui était dehors. Mais là, alors, la bataille continue forcément. On est venu me relever le soir à 6 heures, simplement. Et les prisonniers français sont venus relever les blessés. Puis il y en a qui m'ont aperçu, puis on a aperçu qu'ils sont qui bougeaient dans ma crevasse. Là. Dans une crevasse? Vous bougiez dans la crevasse? Oui. Et ils vous ont tiré? Ah oui, oui. Ils nous ont emmenés dans un camp, dans une ambulance, puis à l'arrière, des lignes évidemment. Et là, il y avait tous les corps possibles, toutes les armées possibles. Il y avait des Anglais, il y avait de tout, on était tout mélangé. Prisonnier? Le même soir, on est bombardé par les Français dans cette ambulance. Vous avez été bombardé par les Français?
Parce qu'il a mis une saucisse à côté. Une saucisse? Oui, il dit, bon, pour la saucisse, mais il savait bien que dessous, il y avait sûrement quelque chose. Alors là, évidemment, le lendemain matin, évacuation, moi j'ai été emmené à Guise. À Guise? Oui. Il est resté un mois, là. Là, c'était dégueulasse. Enfin, on n'y peut rien, on était prisonniers. Il y avait un interprète français qui vous soignait. Moi, il m'avait mis une mèche dans ma plaie, là, qui traversait la rue. Alors, jusqu'à ce que ça était à peu près... Ils m'ont évacué en Allemagne après. Alors là, je suis allé dans un camp, je suis allé à Beyrouth. À Beyrouth, c'est en Bavière. Hein. En Bavière, on était assez bien. Tous les dimanches, on allait à la messe. Tant que je restais là, moi, j'étais pas mal. Il y avait trois filles dans la maison. Et dans la ferme allemande, vous deviez travailler? Et j'aurais dû savoir travailler, mais je savais pas. Alors, le premier coup, on va couper du steak, je sais pas quoi. Et puis la patronne était là. Oh là là, nique-moi en vente. Elle crie tout de suite que je savais pas travailler la terre. Je sais pas mon métier. Je la fous, c'est dit qu'elle va me renvoyer. Parce que pour aller dans les mines, après, c'est pas pareil. Dans les mines, c'est des durs. Enfin, elle m'a gardé quand même à la ferme. Ils m'ont gardé quand même. Vous êtes resté combien de temps prisonnier? Jusqu'au 11 novembre. Jusqu'au 11 novembre 1918. À l'armistice, quoi. La patronne. Je suis parti au camp avec un morceau de l'or comme ça dans ma valise qu'elle m'a donné. Le 11 novembre? Oui. Parce qu'elle savait qu'on allait sûrement, on allait avoir faim. Je suis parti de la ferme, il fallait aller dans les camps. On a rassemblé tous les prisonniers qui sont en France, en Angleterre, à Greffenvoort. Greffenvoort. C'est une grande forêt, il n'y a rien que des sapins. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait les sapins, ils les sciaient tout de suite, on faisait les cercueils en même temps. Tellement qu'on a laissé de monde. C'était la fameuse épidémie de grippe qui avait souvent sur un palais en France. La grippe espagnole? Oui, la grippe espagnole. Tous les matins, il y en avait couché à côté de vous, des prisonniers. Tous les matins, il y en avait qui étaient tout noirs. Je vous dis, on coupait les sapins pour faire des cercueils. Mais j'ai resté peut-être là un mois, je crois à peu près. Oui. Mais moi, je passe à travers, je suis bien rentré en France après. La grippe espagnole, mais aussi le typhus, les gaz et surtout la tuberculose vont faire des ravages chez les poilus, dans les tranchées, mais aussi après, dans les années qui suivront. Lazare Ponticelli a 107 ans. Issu d'une famille italienne très pauvre, il suit son frère en France pour trouver du travail. Il est ramoneur lorsqu'en 1914, à même pas 17 ans, il s'engage. Après-guerre, il créera avec ses frères une entreprise devenue aujourd'hui une multinationale. Je me suis présenté pour m'engager. Et on a visité les feux. On a dit, monsieur, vous êtes déjà engagé, on ne peut pas vous engager deux fois. Alors j'ai dit non, je ne suis pas engagé. Elle a regardé Céleste Ponticelli. Je dis non, c'est mon frère. Que mon frère, je pensais qu'il était parti en Italie, mais il n'était pas parti. Il était resté également nos gens. Et il s'était engagé avant moi. On a été désigné par le soin des dames. Alors là, évidemment, mon frère a été blessé. C'est moi qui ai fait le premier pansement, parce qu'il était à côté de moi. Et puis alors lui, il m'a dit, bon, ben, après, accouche-toi des autres. J'ai regardé un peu autour de moi, je n'avais plus personne. Dans les tranchées, il n'y avait plus personne? On ne les voyait plus. C'est-à-dire que ça bardait dur, les gens essayaient de se cacher. Mmh. Il y avait des blessés dans les barbelettes. Et je suis venu de la tranchée, moi.
On avait de l'eau jusqu'à la cheville, de la boue, si on peut appeler de l'eau. Il y avait autant de bouquets d'eau, bien sûr. Et alors il y en avait un qui venait me chercher, j'ai une jambe coupée. Venez me chercher, j'ai une jambe coupée. Et ça durait un petit moment. Et puis alors, la nuit est tombée. Alors, je me suis dit, ben tiens, depuis le temps qu'il crie, je vais essayer de le chercher. Parce que je n'avais pas peur de la mort. Je me suis approché, j'ai coupé les fils de fer barbelés dont il était pris dedans. Et puis là, je lui ai dit, tu sais, serre les dents parce que je vais tirer dans la tranchée. Alors, naturellement, il gémissait, bien sûr, quand on a mal. Enfin, comme je fus, j'ai tiré de la tranchée. Il était environ une quinzaine de mètres de la tranchée. Et là, les brancardiers avaient plus peur que moi. Les brancardiers qui devaient aller, au contraire, chercher les blessés, et ben, ils se cachaient. Qu'est-ce que c'est humain. Quand on vous tire dessus, qui est-ce que je ne sais pas caché. Et là, il avait sa jambe qui pendait, était accrochée par les nerfs dessous qui n'avaient pas été coupés. On lui a allongé la jambe, on lui a enveloppé, et puis il était prêt à mettre une goulotte pour tenir la jambe droite. Bon. Alors il a crié, attendez, avant qu'il mette la goulotte. Attendez, il s'est rétréci comme il a pu, il m'a pris par le cou, il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Il m'a dit, merci pour mes quatre enfants. Et Verdun? Eh bien, Verdun, c'est-à-dire que moi, j'étais en deuxième ligne. À ce moment-là, on nous préparait pour monter en première ligne. Et c'est de là qu'on m'a appelé Ponticelli, on vous demande le commandement. Alors, je ne savais pas que l'Italie devait se mettre en guerre. Je suis descendu, qu'est-ce qu'on veut de moi? Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal, qu'on me réprimandait. Non, quand je suis arrivé, on m'a annoncé, nous sommes obligés de vous démobiliser. Et vous avez été renvoyé en Italie? Oui, ils m'ont démobilisé. Et donc vous avez combattu avec l'armée italienne contre les Autrichiens? Voilà. Alors, j'ai d'abord combattu au Tirol. Il y a eu en attaque le Mont de Grappa. Ça bardait dur. On entendait les coups de canon, les mitrailleurs, tout ça, et d'un côté. Et alors, on est monté les premiers et les Français étaient derrière nous. C'était tout à fait logique qu'on passe les premiers. On est monté et ils nous envoyaient le White Spirit. Le White Spirit. Voilà, on avait des masques nouveaux. Alors on a mis les masques et puis là on continuait à avancer, puis ça tirait dur. Mais les gens qui avaient reçu le White Spirit, immédiatement ils gonflaient. Ils gonflaient? Dès qu'ils respiraient cette machine-là, ils gonflaient, ils mouraient. Et comme il y en avait beaucoup, on faisait bien attention de ne pas monter dessus. Mais des fois, sans glisser tant, on arrivait à mettre les pieds sur eux. Il éclatait. Les corps éclataient? Oui, parce que comme il était gonflé. Voilà. C'était comme un ballon. Et ça continuait de rage. On est monté à ce moment-là en première ligne. Dès qu'on est arrivé en première ligne, on nous a annoncé l'armistice. Alors, on a commencé à enlever les parents. Ça y est, l'armistice. Ça y est, la guerre est finie. Et les Autrichiens ont fait comme nous. Et c'est là que la guerre s'est terminée. Alors, on est venu en arrière, mais comme moi j'étais jeune, ils m'ont gardé jusqu'à 1920. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre? C'est que nous avons fait une guerre sans savoir pourquoi. Nous avons fait la guerre. Pourquoi qu'on se tirait dessus qu'on ne se connaissait pas? Il y avait des gens qui avaient des familles et qu'il fallait nourrir. Donc, par conséquent, j'estime que
Si on fait une guerre, il faut savoir le pourquoi. Et vous n'avez jamais su pourquoi? Non. Non. Et je pense que tout le monde est comme moi. À part ceux qui l'ont déclaré. 90 ans plus tard, les vestiges de la guerre sont là, dans les campagnes de la Somme, d'Argonne, de Champagne. Jusque dans le plus humble hameau de France, ces empreintes sont visibles sur les socles des monuments aux morts. Elles le sont aussi dans la plupart des familles, qui ne conservent au fond d'un tiroir quelques photos jaunies d'un grand-père ou d'un oncle en uniforme. Le jour où il n'y aura plus de poilus pour entonner les refrains des tranchées, la guerre de 14 basculera de la mémoire des hommes dans l'histoire. Quand dans la tranchée, on s'en sent broncher, les hommes moches et la flotte, que partout la fosse vous crotte, vos grimpants et vos capotes, quand pendant 2 jours, on se dit tour à tour, cette main soit cross-trotte, on penserait bonsoir pourvu qu'on l'attaque pas ce soir. Bien heureux, on plie les couvertures, toi le temps, tout le fourniment, et l'on songe à la bonne habitude que l'on prendra en descendant. Voilà.